La maison qu'habitaient alors mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo, appelée la rue des Juifs. Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville, et à travers les fenêtres de cette chambre, on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue en se brisant sur des écueils. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues soulevées par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails. Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil, le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées. Un des premiers plaisirs que j'ai goûtés était de lutter contre les orages, de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi ou couraient après moi sur la rive. Un autre divertissement était de construire, avec la reine de la plage, des monuments que mes camarades appelaient des fours. Depuis cette époque, j'ai souvent vu bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite écroulés que mes palais de sable. Selon Madame Dominique Horry, il est essentiel que Chateaubriand soit né en Bretagne. C'est essentiel. Ça, alors là, je crois que c'est essentiel. Parce qu'il est, le premier, je crois, à avoir exprimé d'une façon, on peut dire, sublime, ce qui est le fond du caractère de tout homme, de tout un peuple, dont on sourit parfois, on pense que c'est une légende, que c'est un peu ridicule, c'est la mélancolie bretonne. Mais la mélancolie bretonne est une chose tellement réelle que le docteur Le Savoureux, qui fut président des Amis de Chateaubriand, de la Société des Amis de Chateaubriand, a écrit, qui était psychiatre, a écrit un ouvrage sur la mélancolie de Chateaubriand, sur l'ennui de Chateaubriand, qui est un autre terme pour désigner, je ne dirais pas la même maladie, mais en tout cas la même tendance. Et la mélancolie bretonne est une chose très curieuse. Par quoi ceux qui l'éprouvent, et je crois que ce sont presque tous les gens originaires du même pays, c'est une tristesse d'ailleurs agréable. Il ne faut pas du tout penser que c'est une tristesse pénible, c'est une tristesse presque consolante que l'on éprouve à être séparé de son pays et que l'on éprouve d'autre part à percevoir, car on l'aperçoit, on a l'impression qu'on l'aperçoit plus que les autres. Bien sûr, tout le monde l'a dit, bien sûr, c'est déjà dans l'Ecclésiaste. Mais je crois que Chateaubriand l'a exprimé, et exprimant cela, l'a exprimé pour tout un peuple. Selon M. Louis-Martin Chauffier, l'ascendance bretonne de Chateaubriand a d'autres conséquences. Je pense qu'il est très important que Chateaubriand ait été breton sur certains points, et notamment sur le fait qu'il n'a pas le sens des réalités, ce qui est très breton. Il a une vaste imagination, mais qui ne porte pas sur le réel. C'est une imagination chimérique qui permet des élans de sensibilité, car la sensibilité et l'imagination sont très unis chez lui, mais dans l'ensemble, il n'avait pas le sens des réalités, il n'en avait pas le goût d'ailleurs non plus, et c'est en cela qu'il est proprement breton. Pour Chateaubriand, la Bretagne, ce n'est pas seulement Saint-Malo, c'est aussi Combourg, où il vint pour la première fois à l'âge de 10 ans. Nous découvrîmes une vallée au fond de laquelle s'élevait, non loin d'un étang, la flèche de l'église d'une bourgade. Les tours d'un château féodal montaient dans les arbres d'une futaie éclairée par le soleil couchant. En sortant de l'obscurité du bois, nous franchîmes une avant-cour plantée de noyers, attenant au jardin et à la maison du régisseur. De là, nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de gazon appelée la Cour Verte. Au fond de la cour, dont le terrain s'élevait insensiblement, le château se montrait entre deux groupes d'arbres. Sa triste et sévère façade présentait une courtine portant une galerie à mâchicoulis, denticulée et couverte. Cette courtine liait ensemble deux tours inégales en âge, en matériaux, en hauteur et en grosseur,
lesquelles tours se terminaient par des créneaux surmontés d'un toit pointu comme un bonnet posé sur une couronne gothique. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. Après des études secondaires au collège de Dole et de Rennes, Chateaubriand suivit des cours de mathématiques pour devenir officier de mer. Sa nomination à Brest allait intervenir quand il rentra à Combourg l'été 1783, proclamant sa volonté ferme d'embrasser l'état ecclésiastique. Cette volonté ferme ne résista pas à un bref séjour au collège ecclésiastique de Dinan. En 1786, enfin, il est nommé sous-lieutenant au régiment de Navarre, où il prend de fréquents congés pour s'initier à Paris et à ses salons. Il chassa avec le roi. Survient la révolution de 1789. Beaucoup d'aristocrates émigrent, Chateaubriand ne les suit pas. Monsieur Henri Guillemin. Il n'avait pas envie du tout, ça il le dit bien dans les mémoires, ça lui paraissait assez choquant que des Français, pour garder leurs privilèges, sortissent de France et même pour aller chercher l'étranger et que les envahisseurs les rétablissent dans leurs privilèges. Ça lui paraissait assez choquant. Alors qu'en 1891, une partie de ses amis, du régiment même, où il est, régiment de Navarre, émigre du côté de l'Est, Koblenz, quoi, l'armée des princes, et lui, il va émigrer du côté de l'Ouest, c'est-à-dire le plus loin possible. J'émigre du monde, comme il dit un camarade, le chevalier de Pana, c'est-à-dire qu'il va dans l'autre monde, et il va être américain pendant un certain temps. Claude Roy. Chateaubriand, grâce aux aléas de la politique, émigre aux États-Unis. Il en rapporte son premier grand succès romanesque, Atala, et il en rapporte son voyage en Amérique. Atala est le premier western de la littérature française. C'est un livre qui a remporté à l'époque un succès extraordinaire, avec une couleur locale qui a jeté beaucoup de poudre aux yeux des lecteurs, des castors, des liquidambars, des cataractes, des filles sauvages. Et le jeune Chateaubriand pouvait à l'époque, dans les petits théâtres des boulevards, assister à des spectacles où on s'inspirait d'Atala et où des pin-ups de l'époque, déguisés en sauvagesse, discutaient de l'âme de la solitude avec des jeunes premiers déguisés en naturel du Meschacébé. Les deux rives de Meschacébé présentent le tableau le plus extraordinaire. Sur le bord occidental, des savanes se déroulent à perte de vue. Leurs flots de verdure, en s'éloignant, semblent monter dans l'azur du ciel où ils s'évanouissent. On voit dans ces prairies sans bornes errer à l'aventure des troupeaux de 3 ou 4 buffles sauvages. Quelquefois, un bison chargé d'années, fendant les flots à la nage, se vient coucher parmi de hautes herbes dans une île du Meschacébé. Telle est la scène sur le bord occidental. Mais elle change sur le bord opposé et forme avec la première un admirable contraste. Suspendu sur le cours des eaux, groupés sur les rochers et sur les montagnes, dispersés dans les vallées, des arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums se mêlent, croissent ensemble, montent dans les airs à des hauteurs qui fatiguent les regards. Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes s'entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux, grimpent à l'extrémité des branches, s'élancent de l'érable au tulipier, du tulipier à l'alcé, en formant 1000 grottes, 1000 voûtes, 1000 portiques. Souvent, égarées d'arbre en arbre, ces lianes traversent des bras de rivière sur lesquels elles jettent des ponts de fleurs. Du sein de ces massifs, le magnolia élève son cône immobile. Surmonté de ses larges roses blanches, il domine toute la forêt et n'a d'autre rival que le palmier qui balance légèrement auprès de lui ses éventails de verdure. Plus tard, à la fin de sa vie, il verra dans des auberges d'Europe des gravures accrochées au mur de la chambre représentant Atala et les personnages de son roman. C'est d'Atala, c'est du voyage en Amérique que date un certain goût de la couleur locale, un certain art
de réécrire un Baedeker ou un Guide bleu subjectif. Et je crois que tous les grands écrivains voyageurs d'aujourd'hui, de Sandrard à Claudel, de Paul Morand à Simone de Beauvoir découvrant l'Amérique, ont une dette envers Chateaubriand. Un monsieur qui met en même temps des ours et des crocodiles au même endroit, et en même temps aussi des palétuviers et des sapins, ça, il n'y a sûrement pas été. Et en plus, un monsieur également qui descend les rives du Mississippi et qui aperçoit sur les rives du Mississippi des cacatoès et des singes, il n'y est pas allé. Mais en effet, il n'était pas allé. Il nous a dit qu'il était allé en Louisiane, c'est pas vrai. Il s'est borné à une promenade, une excursion, dans le quadrilatère pennsylvanien. Il n'est pas descendu. En Chateaubriand est le maître de la découverte subjective du monde. Je sais bien que si notre ami Henri Guillemin passait par là, il nous démontrerait, pièces et fiches en main, que Chateaubriand a beaucoup menti, que a beau mentir qui vient de loin, mais je ne suis pas très sûr que les mensonges de Chateaubriand ne cachent pas une vérité plus profonde, et que son art de ne pas dire exactement la vérité n'équivaille pas, en fin de compte, à dire la vérité profonde des pays où il a été. Chateaubriand quitte les États-Unis et rentre en France en janvier 1792. Vous vous rendez compte, en janvier 1792, la révolution était encore plus dangereuse, elle était effervescente. Alors pourquoi il revient si vite? Alors, il raconte dans les mémoires d'Outre-Tombe quelque chose qui n'est pas vrai. Il dit, j'ai appris par hasard, par un vieux journal que j'ai trouvé dans une ferme américaine, ce qui s'était passé en France, la tentative de fuite du roi, l'arrestation de mon roi à Varennes. Je sentais que la personne royale était menacée, mon vieux Sambreston n'a fait qu'un tour, j'ai traversé l'océan pour mettre au service du roi légitime le dévouement d'un obscur cadet de Bretagne. Mais non, c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé, parce que quand il était parti, il savait déjà que le roi était perdu. Il l'a dit à Panin, qui me rapporte dans ses mémoires. Le roi est perdu, dit-il. Il avait d'ailleurs assisté à des choses qui prouvaient que la monarchie était finie. Pas seulement la prise de la Bastille, mais les journées d'octobre, Versailles, quand on avait ramené le roi Boulanger de Boulanger à le petit Mitron, il y avait des têtes coupées au bout des pics, il savait que c'était fini. Pourquoi il revient? Il revient parce qu'il n'avait plus d'argent du tout. Il a même une dette à une femme, ça lui arrivait souvent. Il avait une dette de 7000 livres à une américaine qui viendra la réclamer en 1697. Alors il rentre parce qu'il n'a plus de sous, il se trouve au pied du mur. Dans son milieu, chez les aristocrates, on émigre. Il n'a pas envie du tout. Il prétend, dans les mémoires d'Outre-Tombe, « Alors on me maria, je cite, je sais par cœur, « Alors on me maria, afin de me procurer le moyen de m'aller faire tuer au soutien d'une cause que je n'aimais pas. » Elle est extraordinaire, cette phrase, en fait, quand on en prend chaque syllabe. « Alors on me maria, moi, je ne me suis pas marié, je me suis laissé marier. On me maria afin de me procurer le moyen de. » C'est pas avec Céleste qu'on le fait marier, c'est avec la dot de Céleste. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse entretenir sa personne et son cheval. Non, il n'en avait pas. Sa personne dans l'armée des princes où chaque soldat devait veiller à son propre entretien. Alors si c'était vrai qu'on l'avait marié pour qu'il aille se battre, il devrait être parti tout de suite. Il part pas tout de suite. Il se marie le 19 mars 92 et il va partir le 15 juillet 92. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a hésité tant qu'il a pu. Et il y a eu un moment où il n'y avait plus moyen d'hésiter. Parce qu'en 1792, il y avait la guerre, vous savez, avec les Prussiens et les Autrichiens qui entraient en France. Les armées françaises, les armées révolutionnaires reculaient, et on avait l'impression que l'armée des princes allait venir avec les Autrichiens et les Prussiens dans Paris, et vous imaginez l'accueil qu'auraient fait ces aristocrates-là, ceux qui avaient rejoint tout de suite la bonne armée, l'accueil qu'ils auraient fait au type qui était resté, qui s'était planqué. Alors Chateaubriand et son frère Jean-Baptiste partent le 15 juillet pour aller, si je puis dire, quoi, c'est banal, voler au secours de la victoire, pour être quand même du côté de la victoire. Ben, il n'y aura pas de victoire du tout, et vous savez ce qui va arriver. Chateaubriand est un type qui avouera plus tard, à deux reprises, ceci. Pourquoi ai-je été royaliste? C'est un texte des mémoires d'Outre-Tombe. Alors que je l'étais si peu, par nature et par instinct. Et il y a même un autre texte bien amusant de lui, d'une brutalité, dont je lui suis reconnaissant. Il dit, une de mes amies, c'était Madame de Custine, m'a fait coucher dans le lit d'Henri IV, à Fervaques. J'y gagnais, J-Y, dans le lit, hein. J'y gagnais le royalisme que je n'avais pas naturellement. Enfin, les draps étaient contaminés par le royalisme. Après quelques mois passés dans l'armée des princes, Chateaubriand vécut cette année difficile en Angleterre jusqu'en 1800. En France, Bonaparte était premier consul. Chateaubriand a entendu parler pour la première fois de Buonaparte, c'était le premier nom qu'on lui donnait, lorsqu'il était dans l'émigration, par son ami Fontane. Fontane, c'était un garçon incroyablement débrouillard, qui prenait le vent, qui avait senti qu'effectivement à ce moment-là, 98-99, c'était Bonaparte qui allait gagner. Il s'était placé tout de suite, le Fontane. Il était devenu l'amant d'une des sœurs de Bonaparte. Ça l'installait tout près. Il était l'amant d'Elisabeth Chocky. Alors, Chateaubriand revient en 1800. Fontane l'avait déjà précédé. Premier problème, il faut se faire radier, bien sûr, de la liste des émigrés. Il a son faux nom de La Salle. Il s'agit qu'il puisse s'appeler Chateaubriand et travailler à Paris.
Alors c'est Elisa Bacciocchi, c'est-à-dire la maîtresse de Fontane, qui va l'aider, et on possède le texte de la lettre par laquelle il demande à Fouché sa radiation. Texte accompagné d'une autre lettre au citoyen premier consul. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que dans les mémoires de Tourtombe, il nous donne des tas de documents, Chateaubriand, enfin, des tas de documents, mais les plus intéressants, ils n'y sont pas. Eh bien, vous ne trouvez pas dans les mémoires d'Outre-Tombe sa demande de radiation, ses deux demandes, une à Fouché et l'autre au premier consul. Vous ne trouvez pas sa lettre de démission dont je vous parlais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas trouver pas les suppliques à Napoléon au moment de 1809. Enfin, des documents de base, des pièces justificatives, elles n'y sont pas. Il obtient donc sa radiation. Et il s'agit d'être le plus gentil possible pour ce premier consul. Il connaît la politique religieuse du premier consul et lui-même travaille depuis un certain temps, mettons 2 ans, à un livre, c'est « Les beautés de la religion ». Ben, ce livre sur les beautés de la religion s'adapte admirablement à la politique de Bonaparte, qui est en train d'essayer d'avoir les catholiques avec lui en faisant le concordat. Mais l'opération politique, l'opération diplomatique qu'est ce livre, Chateaubriand l'avait préparé avec beaucoup d'astuces et de malice. J'ai voulu, disait-il, écrire un livre qui soit aussi amusant à lire qu'un roman. Et en effet, les lectrices de romans ne s'y sont pas trompées. On trouve dans la correspondance d'une contemporaine de Chateaubriand une très jolie lettre sur le génie du christianisme. Quoi, dit la jeune femme, c'était là le christianisme, mais il est délicieux. Et les circonstances dans lesquelles Chateaubriand a écrit le génie du christianisme sont aussi assez cocasses et un petit peu gênantes. Je crois qu'on n'a pas le droit de reprocher à un chrétien d'être aussi un pécheur, ni à qui que ce soit de ne pas réussir toujours à mettre en harmonie ses principes et sa vie, de faire quelquefois des entorses à sa morale ou à sa philosophie. Mais avouons que Chateaubriand, quand, quittant la cariâtre et un peu ennuyeuse madame de Chateaubriand, il va s'enfermer dans une charmante petite folie avec sa ravissante maîtresse Pauline de Beaumont pour écrire le génie du christianisme, il exagère un tout petit peu. Il exagère un petit peu parce que il a à côté de lui Pauline de Beaumont, vêtue de percale transparent, comme c'était la mode de l'époque, qui, amoureusement d'ailleurs, dépouille de rébarbatifs ouvrages de théologie et de religion pour y trouver des notes et des documents pour Chateaubriand. Et pendant ce temps-là, à côté d'elle, impavide, Chateaubriand, oubliant, et la malheureuse madame de Chateaubriand, son épouse, qui est restée chez elle le plus loin possible, écrit gravement un solennel éloge du célibat, comparant Dieu au grand célibataire de l'univers, un solennel éloge de la chasteté et un non moins solennel éloge du mariage chrétien. Et ce n'est pas après tout un miracle si ces morceaux de bravoure sonnent un peu creux, font un petit peu toc, parce qu'on sent bien que Chateaubriand n'en croyait pas un mot. Mais Chateaubriand compte sur ce génie du christianisme pour d'abord faire des sous. Le pauvre garçon, il n'a pas d'argent, il faut bien qu'il vive. Alors il va gagner de l'argent avec ça, mais il veut une situation. Et cette situation, il la veut diplomatique. Et il se dit qu'ayant écrit le génie du christianisme, et s'il veut être diplomate, c'est évidemment à Rome, auprès du pape, qui doit être envoyé. Alors il y a une lettre de lui à Fontane qui est très amusante. Il lui dit, ne vous découragez pas, marchez, marchez, poussez-moi, mettez-moi en avant, songez que vous pouvez m'envoyer à Rome. Alors il est donc à Rome, malheureusement ça ne marche pas avec son chef, qui était l'ambassadeur, le cardinal Fesch. Chateaubriand a l'impression que sa carrière est manquée, que lui, qui se croyait vraiment parti pour une ambassade, il l'avait dit dans une lettre à Mollet, écrite de Lyon le 2 juin 1803, quand il partait pour Rome. Il lui dit dans une chance seulement ordinaire, « Je serai ambassadeur dans 2 ans ». Alors il faisait le combler, enfin le fatiguer même, de la surabondance des biens terrestres. Il disait, oh, 35 ans, être arrivé à tout comme moi, enfin vraiment la vie n'est pas intéressante. Et non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas du tout, et même il est menacé de révocation, parce qu'il a fait des erreurs, des imprudences à Rome. Néanmoins, Fontane arrive à le rattraper par la peau du cou, comme Elisa, on le sauve. Mais le premier consul a froncé les sourcils, et qu'est-ce que c'est que t'as discipliné, ça ne peut pas aller. Alors Chateaubriand a le sentiment que cette grande carrière diplomatique sur laquelle il comptait grâce à Bonaparte, elle est ratée. Fontane pourtant le sauve, comme je viens de vous le dire, et obtient pour lui une petite nomination qui a l'air d'un avancement. Chateaubriand commence, quand il ne sait pas encore bien où on va l'envoyer, commence par être fou de joie, il dit « ça y est, je suis chargé d'affaires, bientôt ministre, bientôt ambassadeur ». Mais où est-ce qu'il est chargé d'affaires? Dans la République du Valais. C'est une petite république éphémère que Napoléon avait établie là. Il y avait 2 villes, quoi, Sion et Sierre, si on peut parler de villes. Déjà aujourd'hui, ce n'est pas de très grandes villes, mais à ce moment-là, c'était des trous, c'était des bourgades. Et quand Chateaubriand se rend compte qu'on l'a envoyé dans ce qu'il appelle un horrible trou, encore une république de marmottes, il est furieux. Il dit, on s'est moqué de moi. Un homme comme moi, l'homme du génie du christianisme, envoyé chargé d'affaires dans un pays impossible, une espèce de cuvette dans les Alpes, alors il a cherché un moyen de démissionner. Il voudrait sortir de cette carrière puisqu'elle est manquée. Et c'est là que va intervenir l'exécution du duc d'Enghien,
dont il a tellement parlé. Vous savez ce que c'est? Bonaparte avait l'impression, qui n'était pas inexact, qu'on en voulait à sa vie, qu'il y avait des conspirations royalistes. Alors il va frapper un coup terrible, il va faire arrêter, hors du territoire français, il n'avait pas le droit, il le prend, faire arrêter ce duc d'Enghien et va le faire fusiller. Chez les royalistes français qui sont plus ou moins ralliés, naturellement, ça fait un coup terrible que ce Bourbon soit fusillé par Bonaparte, surtout que les royalistes avaient compté un moment que Bonaparte était une espèce de monk, connétable de la future monarchie. Pas du tout, il prend tout pour lui, enfin c'est un vorace, c'est un dévorant. Alors quand on le voit qui assassine le duc d'Enghien, c'est fini. Chateaubriand, qui cherchait le moyen de s'en aller, une occasion de sortir, se dit, oui, mais c'est minable de m'en aller comme ça, simplement chien battu, enfin un type qui n'a pas réussi. Tandis que si je démissionne par une indignation à la fois humaine et royaliste, ça me place. Ça me place du côté des royalistes, et il avait besoin de se placer. Car je ne sais pas si vous vous rappelez que Chateaubriand avait misé d'abord sur la carte royaliste, et que quand il était à Londres, son livre, ce qui deviendra le génie, mais qui s'appelait Les beautés de la religion chrétienne, avait été dédié à qui? À Louis XVIII, dans la première édition qu'on avait commencé d'imprimer à Londres. Et s'il faut en croire du moins Pelletier, qui est un agent royaliste et qui dirigeait un journal qui s'appela Paris, puis qui s'appelait L'Ambigu, Pelletier dit, Monsieur de Chateaubriand avait reçu 300 livres de Louis XVIII pour lui dédier son bouquin. Transfuge. Il avait donc plaqué les royalistes. Il était passé avec Bonaparte, ça n'avait pas marché avec Bonaparte, il veut revenir de côté des royalistes et il veut donner cette démission. Cette démission, il la donne pour donner, enfin pour fournir le masque d'une indignation, si vous voulez, à ce qui n'est que l'irritation de quelqu'un qui a raté sa carrière. Et quand il donne sa démission, lisez bien les mémoires, c'est très clair, il a l'impression que c'est un geste qu'il fait, enfin un ralliement autour de sa personne, ralliez-vous à mon pelage blanc, c'est le cas de le dire, qu'il va y avoir des tas de démissions autour de lui. Et il dit, mais je me suis aperçu que j'étais tout seul. Personne n'a démissionné, je me suis avancé. Avancé témérairement. Pas si témérairement. Parce que justement, quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'avait pas publié tous les documents, il faut lire sa lettre de démission. Elle est, enfin si je n'étais pas convenable, je dirais qu'elle est gratinée, parce qu'il nous dit dans les mémoires d'Outre-Tombe qu'il a jeté un défi à la face du tyran. Ah ben le défi à la face du tyran, si vous lisez la lettre, d'abord c'est pas au tyran qu'il écrit, c'est à Talleyrand. Et gentil, il lui dit, voilà ce qui m'arrive, c'est pas, j'ai ma femme, petite santé. Pas du tout bien, les médecins m'ont dit même qu'ils étaient très alarmés. Alors je ne peux pas lui imposer le voyage du Valais, c'est un climat un peu difficile. Alors je mets au pied de votre excellence cette démission, dites bien au premier consul à quel point je suis navré de ne pas pouvoir y aller. Si du reste, dans votre extrême bonté, vous avez des ordres ou des instructions à me donner, je suis prêt à me rendre auprès de vous. C'était une démission très douce, vous comprenez, mais Chateaubriand ne lisait pas cette lettre de démission à tout le monde. Il avait lu à Madame de Custine, qui était son amie, sa maîtresse, très royaliste, une première version de la lettre, qui était pleine de phrases de colère, comme il dit. Moi, ces phrases de colère, ajoute-t-il dans les mémoires d'Outre-Tombe, mon ami Clausel de Coussergues me les avait fait effacer en considération de la peur qu'avait Madame de Chateaubriand. Je disais des choses tellement terribles, ma pauvre femme tremblait. Alors j'ai dit des choses un peu moins terribles. Donc, il a démissionné maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est très ennuyé, personne ne l'a suivi. Il s'est avancé, ce qu'il avait pris d'abord pour un geste de chevalier épique, enfin, qui se jette tout seul au combat, ça tourne un peu à la mascarade. Hein. Il est tout seul à galoper, puis personne ne le suit. Alors il se mord les doigts, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Néanmoins, ses rapports sont bons, sont très bons même, avec le gouvernement impérial, parce qu'il a fait des compliments dans le journal qu'il dirige, la revue qui s'appelle Le Mercure. Et lorsqu'il part pour son voyage en Orient, il y a une lettre de recommandation qu'il oublie encore de nous donner dans les mémoires, une lettre du ministre des Affaires étrangères de Napoléon, c'est-à-dire Talleyrand, et où Talleyrand dit à l'ambassadeur de France en Turquie et à tous les consuls auprès desquels Chateaubriand passera, c'est un ami qui s'en va là, c'est un très grand écrivain, je serai très reconnaissant d'eux, etc. Talleyrand n'est plus gentil. Chateaubriand rentre. Au moment où il va rentrer, c'est au début de l'année 1807, il a donné un rendez-vous, il a fait tout le tour de la Méditerranée, un drôle d'itinéraire du reste. C'est pas lui qui a appelé sa pèlerinage, il faut bien lui rendre chez justice. Presque toutes les fois où Chateaubriand dit « j'ai vu », soyez sûr qu'il faut lire « j'ai lu ». ».« J'ai lu dans un tel ceci ». Alors, il y a l'histoire du voyage, c'est pas long, hein, entre Corinthe et Athènes. Il a Chandler sur sa table, Chateaubriand. Il l'a fait, le petit voyage de Corinthe à Athènes. Mais alors, il suit page à page Chandler, et Chateaubriand est allé de Corinthe à Athènes, tandis que l'autre, Chandler, était allé d'Athènes à Corinthe. Alors, comme Chateaubriand copie Chandler, il nous fait admirer à gauche ce qui est à droite, puisqu'il suit le voyage de quelqu'un qui avait un chance inverse. Il y a l'histoire de Tunis, qui est irrésistible aussi. À Tunis, il décrit avec une espèce d'émotion, enfin de componction, une ruine qu'il avait trouvée dans un voyageur qui était passé là, il y a une cinquantaine d'années plus tôt. Mais entre le passage du voyageur et le passage Chateaubriand, la ruine effacée, il n'y en avait plus. Il l'a décrit tout de même avec une poignante émotion. En Arcadie, Chateaubriand raconte qu'il a monté, bien ému, certes, cet escalier de pierre taillé dans le roc qui conduit de là à là, je ne me rappelle plus. L'escalier de pierre taillé dans le roc, il est dans le voyage du jeune Anacharsis.
Voyage de Narcissus, écrit par Barthélemy en 1788, je crois. Et ce voyage se passe dans la plus haute antiquité. Or, depuis Pausanias, c'est-à-dire depuis 1700 ans, l'escalier de pierre avait disparu. Mais Chateaubriand a tout de même monté à la suite de Barthélemy. Voilà, alors comme blague, il y en a pas mal, vous comprenez, vous. Le roi. Il est possible que Chateaubriand ait quelquefois amplifié, arrangé, mis en scène la réalité de ses voyages. Il n'en reste pas moins que les poètes disent toujours la vérité profonde, et que Chateaubriand est un grand poète. La réussite d'une œuvre d'art, d'un témoignage sur un pays, c'est lorsque, devant un paysage, on se dit « tiens, un Corot » ou « un Renoir » ou « tiens, voilà un paysage, une atmosphère » de Chateaubriand ou de Proust. Monsieur Guillemin. Alors, quand Chateaubriand rentre de son itinéraire, de son pèlerinage, et qu'il arrive en Espagne, il trouve, comme il y comptait bien du reste, Nathalie de Noailles. Il trouve, il n'y comptait pas, un garçon qui s'appelle Hyde de Neuville, qui était un royaliste qui venait de se faire expulser de France, qui partait du reste pour les États-Unis, rejoindre le général Moreau. Et ça, Nathalie et Hyde de Neuville lui expliquent que la situation politique en France a changé pendant son absence, et qu'on a bien l'impression que ce régime napoléonien est chancelant. C'est le moment où Chateaubriand va écrire et va publier ce texte dont il a tant parlé lui-même et dont on parle beaucoup, et on a raison, c'est un texte important, commentant dans son journal Le Mercure qui lui appartenait, commentant le voyage pittoresque de M. Delaborde, le frère de Nathalie, en Espagne, il écrit ces choses très connues et très violentes sur dans le silence de l'abjection, quand on entend que la chaîne de l'esclave est la voix du délateur, etc., où il parle de Néron et de Tacite. Tout le monde comprend, Néron c'est Napoléon, Tacite c'est moi, Chateaubriand. Voyez-vous, de même qu'en 1804, il avait eu le sentiment que le moment était bon et qu'il pouvait se lancer et qu'il serait suivi. De même, à ce moment-là, il dit « je m'en vais me placer pour la seconde fois ». Et probablement, enfin il l'espère, les événements me donneront raison. Et bien l'événement lui donne tort. Parce qu'après Hello, il y a Friedland. Après Friedland, il y a Tilsit, la paix de Tilsit, ce qui plaît beaucoup à la population. Il y a un retour magnifique de Napoléon à Saint-Cloud qui est entouré d'acclamations. Enfin, Chateaubriand de nouveau se trouve en flèche et horriblement embêté de ce qu'il a fait. Et bien je vous jure qu'il ne va pas y revenir. Parce qu'il est de nouveau très gentil, il a épouvantablement peur de ce qui va se produire, et il va faire Les Martyrs, qui sont en réalité un texte de candidature à un emploi. On ne s'en rend pas compte, mais il n'y a qu'à le lire le texte. Dioclétien, pour une part, c'est Napoléon, et Hiéroclès et Galerius, c'est Fouché, et ce sont les Jacobins que Napoléon avait associés à son travail. Alors, dans Les Martyrs, il y a ceci, je crois savoir la phrase à peu près par cœur, Dioclétien égale Napoléon, devrait se rendre compte que les catholiques, que les chrétiens, sont les meilleurs soldats de son armée, qui forment un rempart autour de son trône, alors qu'il y a à côté de lui des gens affreux, Hiéroclès et les autres, c'est-à-dire Fouché et les Jacobins, qui, pleins d'envie et demandant de l'or, dit-il, ne cherchent qu'à le renverser. Chateaubriand va voir ce que ça va donner, les martyrs. Eh bien, ça donne pas mal, parce qu'il y a une lettre de Madame de Chateaubriand encore à Joubert, où elle lui dit, le grand pan, vous avez compris, c'est Napoléon, le grand pan s'est prononcé, il a loué le livre, il ne manquerait plus que ça, il a loué le livre, et monsieur de Fontane, qui est un timide, devrait bien faire un bel article pour mon mari. Alors Fontane va le faire, l'article. L'article va apparaître en janvier 1810 dans le Journal de Paris. C'est un article en vers, les stances de Fontane. Et quand on publiera plus tard les stances de Fontane, on coupera la dernière strophe. Et justement, les strophes coupées m'intéressent le plus. Alors dans cette dernière strophe, Fontane disait à Chateaubriand, patience mon cher ami, vous allez voir, le maître qui est assis au Capitole va faire asseoir autour de lui tous les talents dignes de sa personne. Faire asseoir les talents. Académie française. Mais justement, c'est ce qui se prépare. Napoléon, à ce moment-là, est en train d'infléchir sa politique. Il va se marier avec qui, vous savez? Avec la nièce de Marie-Antoinette. La nièce de Marie-Antoinette. Ça va faire plaisir aux royalistes, lesquels, du reste, n'attendaient que le moment de se précipiter dans la cour. Alors on va voir les Rohan, les Mortemart, les Montmorency, tout ça se précipiter dans les antichambres à cause de ce bon mariage. Un mariage enfin sérieux, vous comprenez, c'était un mariage catholique, un mariage convenable, pas comme avec Joséphine. Alors Napoléon regarde du côté du Faubourg Saint-Germain, il se dit, mais il faudrait annexer ces gens-là, maintenant ils vont être contents, j'ai renvoyé Fouché. Et puis Chateaubriand s'est proposé depuis ses martyrs. Alors premier geste en avant de lui, enfin, première avance, si vous voulez, de Napoléon, qui s'adresse à l'Académie française. L'Académie française était peuplée de ce qu'on appelle les idéologues. Vous savez, il fallait les philosophes, quoi, les anticatholiques, qui détestaient Chateaubriand. L'Académie renâble, Napoléon est furieux, enfin, une académie qui n'obtempère pas. Alors il va aller bien au-delà, Napoléon, et il va dire à Chateaubriand, il y a un siège vacant, Marie-Joseph Chénier, le frère d'André guillotiné, est mort, et bien vous allez vous présenter. À qui succède-t-il, je vous l'ai dit, à Marie-Joseph Chénier, qui était un régicide, et on l'attend à son discours.
On dit, ah, il s'est rallié, enfin, semble-t-il, puisqu'il s'est par la volonté, avec l'appui, si vous voulez, de Napoléon qui entre à l'Académie. Ben, enfin, il doit être des nôtres, tout de même. On attend donc que dans son discours, il fasse un signe d'autant plus facile qu'il s'agit d'un régicide auquel il succède et qu'il lui faut bien tout de même traiter avec quelque sévérité. J'ai l'impression que Chateaubriand a dû se travailler l'esprit d'une manière terrible en disant, qu'est-ce que je fais? Et si je vais trop loin, Napoléon sera furieux. Si je ne dis rien, tous mes amis royalistes sont furieux. Ma petite Nathalie, d'une part. Et puis sa sœur Marigny, vous n'imaginez pas comme ça compte, sa sœur Marigny, la grande sœur qu'il surveille. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, à force de travailler, il est arrivé à une phrase, enfin dangereuse, je vous assure. La voilà, je crois que là, c'est prouvé par cœur, à propos de Marie-Joseph et de la mort de Marie-Joseph Chénier. Je ne voudrais pas m'avancer davantage, car je craindrais alors de rencontrer sous mes pas des cendres bien autrement illustres. Ben, c'est la cendre de Louis VII, Marie-Antoinette. C'est tout, il y avait ça à lui dire. Et comme il a peur d'avoir fait cette toute petite allusion, il prend ses précautions et il emploie un mot qu'il n'aurait pas dû employer à mon sens. Il dit, pour éviter des interprétations qui pourraient m'être défavorables, je signale que moi-même, j'ai perdu sur l'échafaud un frère tendrement chéri. C'était Jean-Baptiste, le frère. Tendrement chéri, ça peut un peu se discuter. Enfin, il mettait le frère en avant. Et il ajoute en plus, et je me réfugierai, le mot est bien là, réfugierai, je vais me blottir, je me réfugierai auprès des hôtels expiatoires qu'un puissant monarque élève actuellement à la mémoire des dynasties outragées. Ça veut dire ça. Puissant monarque, Napoléon. Et hôtel expiatoire, le tombe de Saint-Denis, les tombes royales de Saint-Denis que Napoléon était en train de faire restaurer. Alors Chateaubriand prend deux sûretés après qu'il a risqué son petit mot sur les cendres d'Auguste. Première sûreté, oh, vous n'allez pas m'en vouloir, hein, moi je pleure parce qu'il y a mon beau frère, moi, ça échappe aussi. Et puis d'autre part, mais Napoléon lui-même, le puissant monarque, est en train de restaurer un monument à la mémoire des dynasties outragées. Eh bien, il se trouve que Napoléon n'a pas été encore content. Pourquoi? Parce que Napoléon le guettait, son Chateaubriand. Il voyait bien qu'il voulait se rallier, mais il voulait que ce soit un ralliement pour de bon. Et ce tout petit geste que venait de faire Chateaubriand avec les deux mots qu'il vient vous dire, les illustres cendres, enfin les cendres d'Auguste et la dynastie outragée, tout ça était le petit signe fait au royaliste. Je suis avec vous, hein, pour le lendemain, je suis toujours là. Ça, Napoléon ne marche pas. Il lui dit à Chateaubriand, peut-être d'une manière brutale, je n'en sais rien, il ne le reçoit pas. Il le lui fait dire, coupez ça, je n'en veux pas. Alors rendez-vous compte de l'état dans lequel est Chateaubriand, il est horriblement embêté. Parce que s'il ne tempère pas, s'il ne fait pas ce que Napoléon exige de lui, il va se brouiller avec l'empereur et surtout ne pas se brouiller, il ne veut plus se brouiller. Mais alors s'il obtempère à ce que dit Napoléon, il se brouille avec ses amis, il se déshonore. Il était dans la pince. Alors une chance formidable lui arrive. L'Académie, je vous l'ai dit, on lui avait imposé Chateaubriand. Elle l'avait lu de force, hein, par 13 voix contre 12, je vous l'ai dit. Et notez que ça ne fait que 25 votants sur les 40 académiciens. Il y en avait des tas qui n'avaient pas voulu venir même voter. Bon. L'Académie se frotte les mains en apprenant qu'il y a une difficulté entre Chateaubriand et son protecteur officiel, l'empereur. Alors l'Académie, par zèle, elle en remet l'Académie. Et elle dit à Chateaubriand, oh, je comprends que Sa Majesté n'ait pas accepté le discours. Ça ne va pas, vous savez, le discours, il faut le refaire, tout entier. On lui demande un second discours. Chateaubriand est ravi, parce qu'il négocie avec Rovigo, hein, le directeur de la police, le chef de la police, il parle jamais à l'empereur, et il dit à Rovigo, moi j'étais tout prêt à faire les corrections de l'empereur, mais vous voyez jusqu'où ça va. On me demande maintenant de faire un second discours, parce que les idéologues me détestent, parce qu'ils veulent m'humilier. Alors ça, je ne veux pas faire de second discours. Ce qui lui permet de se réfugier derrière sa dignité, et il le dit, vous savez, j'ai une lettre, enfin j'ai tout le monde là, une lettre à Madame de Duras, lui dit la question était très délicate, j'avais peur que l'on ne prenne en haut lieu mon attitude pour de l'obstination. Alors qu'elle n'était que le dégoût naturel vis-à-vis d'un corps qui m'a traité avec si peu de ménagement. Alors il est sauvé, il n'y aura pas de discours du tout, il se compromettra ni à droite ni à gauche. Ça va tellement bien entre lui et Napoléon, que Napoléon songe à lui donner en 1811, c'est-à-dire la même année, puisque l'élection est du février 1811, songe à lui donner une surintendance générale des bibliothèques de l'Empire, payée, dit Chateaubriand, il parle tout le temps d'argent, il a eu tort à ce moment-là, payée de la même manière qu'une ambassade de première classe, dit-il. Ça va très bien, il en parle à Madame de Duras en disant, mais c'est fort intéressant ce qui se prépare. Hélas, nous raconte Madame Hamelin dans un article du Constitutionnel du 1er août 49, où elle raconte le détail. Hélas, ce projet n'aboutit pas. Chateaubriand m'avait remis, dit-elle, en main propre, un mémoire sur cette surintendance des bibliothèques que j'étais chargé de transmettre personnellement à l'empereur. La petite Hamelin, une ancienne merveilleuse, d'ailleurs très mignonne, était très bien avec Napoléon. Alors elle devait lui aborder ce mémoire, raté, enfin, plat de suite. Pourquoi? Parce que la Grande Armée maintenant occupe tout entière Napoléon, parce que la préparative de la campagne de Russie est plus importante que la surintendance des bibliothèques, si bien c'est fini. Plus rien entre Napoléon et Chateaubriand.
Il y a 4 ans qu'à mon retour de la Terre Sainte, j'achetais près du hameau d'Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier cachée parmi les collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux dépendant de cette maison n'était qu'un verger sauvage au bout duquel se trouvait une ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances. Ce lieu me plaît. Il a remplacé pour moi les champs paternels. Je l'ai payé du produit de mes rêves et de mes veilles. C'est au grand désert d'Atala que je dois le petit désert d'Aulnay. Et pour me créer ce refuge, je n'ai pas, comme le colon américain, dépouillé l'Indien des Florides. Madame Dominique Horry. Moi, je voyais Chateaubriand dans sa Bretagne. Tous les voyages, tout le reste, ça me paraissait, dirais-je, de la littérature, sans aucune espèce de... Je n'y mets rien de péjoratif dans le terme littérature, mais enfin ça ne me paraissait ailleurs, dans le domaine des livres. Tandis que là, à la Vallée aux Loups, j'ai découvert un Chateaubriand architecte et un Chateaubriand jardinier. Ah, je ne sais pas ce que pensent les hommes là-dessus, mais je crois qu'il y a très peu de femmes qui ne soient touchées par les maisons et par les jardins. Et en réalité, la façon dont Chateaubriand a transformé, parce qu'on le voit très bien, même dans la maison actuelle, la façon dont il a transformé la maison de jardinier qu'il a trouvée dans le hameau d'Aunois, devant laquelle il y avait un ravin bordé de châtaigniers, dit-il, eh bien, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que là-dedans, il a inscrit ses voyages. C'est ainsi que si vous regardez la maison, quand vous arrivez sur la façade nord, vous y trouvez 2 bow windows, comme il les avait vus en Angleterre. Si vous regardez la maison sur la façade sud, celle qui regarde sur le jardin, sur le parc, vous y trouvez un péristyle avec des colonnes, dont 2 de ces colonnes sont des statues soi-disant grecques ou soi-disant antiques, qui sont d'ailleurs discutables. Mais enfin, le principe de la colonnade devant la façade de la maison, ça, je mets en fait qu'il a dû le rapporter d'Amérique. Et il y a quelque chose d'autre qu'il a rapporté d'Amérique, c'est l'escalier à double révolution. Car dans cette minuscule maison, il y a une grande pièce qui est consacrée à un escalier avec une rampe toute simple et probablement le dessus de la rampe en acajou. Je veux dire que les montants de la rampe sont en fer, n'est-ce pas ? Mais qui a une très jolie double révolution, comme dans les maisons de Caroline ou de Virginie. Mais ça n'est pas tout. Parce que là, après, vous trouvez le parc. Et alors, la merveille, c'est qu'à mon avis, il ait pu se passionner autant pour ce parc, car en vérité, il ne l'a pas vu. C'est nous qui voyons le parc. Lorsqu'il l'a planté, il le dit. Les arbres étaient plus petits que lui. Il y a des mélèzes. Il y a des rhododendrons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il parle de son voyage au pays des Grands Lacs, le voyage qu'on lui a tellement chicané, moi je suis sûre qu'il y est allé parce qu'il a rapporté des rhododendrons. Il parle des rhododendrons qui sont au bord du Grand Lac. Alors ça, c'est sûrement vrai. Même s'il a menti ailleurs, là, il a sûrement dit vrai. Ici, j'ai écrit les martyrs, les avincérages, l'itinéraire et Moïse. Que ferai-je maintenant dans les soirées de cet automne? Ce 4 octobre 1811, anniversaire de ma fête et de mon entrée à Jérusalem, me tente à commencer l'histoire de ma vie. L'homme qui ne donne aujourd'hui l'empire du monde à la France que pour la fouler à ses pieds, cet homme dont j'admire le génie et dont j'aborde le despotisme, cet homme m'enveloppe de sa tyrannie comme d'une autre solitude. Mais s'il écrase le présent, le passé le brave. Et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa gloire. Chateaubriand, certainement, ne se sentait justiciable que de l'histoire. Il en avait ce sentiment poétique, tragique d'ailleurs, que notre époque en a gardé et qu'elle a encore accentué.
Et ses rapports avec l'histoire étaient donc une chose vitale pour lui, avec son temps. Il en a compris, il en a senti intensément la grandeur, le tragique, la poésie. Mais il a trouvé pour ses rapports avec son temps une solution très singulière, très originale. Je crois bien qu'il n'y a pas de réplique à cette solution dans la littérature. Et cette solution, c'est sa vie, telle qu'elle est racontée dans les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est une solution qui n'est en somme ni l'engagement, qui est cher à notre époque. Chateaubriand ne s'est pas abstrait de son temps. Il s'est engagé, Dieu sait, même profondément, dans les luttes politiques de son époque. Il a été un homme politique, ministre, ambassadeur, opposant. Il a été exilé, il a été emprisonné. Et il a pris une part active à l'histoire de son époque. Je ne crois pas que pour lui cette part ait été vitale. En fait, il n'a pas joué son sort là-dessus et il a toujours compris, il le dit d'ailleurs dans les mémoires, même ministre ou ambassadeur, que ses songes, comme il le dit, étaient pour lui la partie qu'il fallait préserver essentiellement. Seulement, il s'est trouvé dans cette situation très singulière que l'histoire était pour lui, et même sur le plan purement poétique, était un environnement, disons, dont il ne pouvait absolument pas s'abstraire et absolument pas se passer. D'ailleurs, la composition des mémoires est, à ce point de vue, tout à fait significative. On voit constamment dans les Mémoires d'Outre-Tombe un épisode de sa vie, tout à fait personnel, qui se prolonge sans solution de continuité en un chapitre d'histoire, tout à fait objectif. Ou bien, s'il raconte une histoire, de manière détachée, un chapitre d'histoire, eh bien, brusquement, lui viennent des réflexions. À ce moment, j'étais à Berlin, à ce moment, j'étais à Londres, je faisais ceci, et immédiatement, le parallèle joue. Il n'y a aucun livre, peut-être, où on trouve, je peux dire, autant de portes battantes entre la vie d'un individu et l'histoire d'une époque. Une circulation absolument libre, mais que, je crois, Chateaubriand a tenu par les moyens dont il disposait, justement, et qui étaient grands, à rendre à peu près intégral. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut comprendre, non pas excuser, car il n'a pas besoin d'être excusé, mais comprendre tout simplement les déformations qu'on a beaucoup reprochées à Chateaubriand, et le fait que cette biographie, qui est une biographie déformée, qui est une vie revue et corrigée, c'est en réalité, il faut la prendre comme une vie exemplaire. Une vie exemplaire parce qu'elle a voulu s'étaler, s'étirer de telle sorte, en fait, qu'elle coïncide à peu près absolument avec son temps. La plus grande vertu dont s'enorgueillit Chateaubriand, c'est sa fidélité au trône et à l'autel, sa fidélité à la monarchie. Il écrit à un moment une phrase superbe sur les serments successifs que les hommes de la Révolution, les hommes politiques de la Révolution, jusqu'à la fin de sa vie, ont prêté aux gouvernements successifs. Il y a des hommes qui, après avoir prêté serment à la République une et indivisible, au Directoire en 5 personnes, au Consulat en 3, à l'Empire en une seule, à la première Restauration, à l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, à la seconde Restauration, ont encore quelque chose à prêter à Louis-Philippe. Je ne suis pas si riche. Moi, j'ai toujours été dévot à la mort, et je suis le convoi de la vieille monarchie, comme le chien du pauvre. Fidèle, oui. Chateaubriand l'a été toute sa vie, mais d'une fidélité assez redoutable. Il est fidèle, comme ces maris malheureux en ménage, qui sont fidèles à leur femme, mais le lui font chèrement payer, qui lui disent tous les jours ces 4 vérités, avec une insouciance totale, puisqu'ils sont fidèles et que cela leur donne tous les droits. Lorsque Louis XVIII revient sur son trône, que dit Chateaubriand ? La grande mesure décrétée contre Bonaparte fut un ordre de courir sus. Louis XVIII, sans jambes, courir sus le conquérant qui enjambait la terre. Courir sus en 1815. Courir sus. Et sus qui ? Sus un loup ? Sus un chef de brigand ? Sus un seigneur félon ? Non. Sus Napoléon, qui avait couru sus les rois, les avait saisis et marqués pour jamais à l'épaule de son haine ineffaçable. Voilà le langage que tient le défenseur de la monarchie, le fidèle jusqu'à la mort, Chateaubriand. Chateaubriand d'ailleurs qui, à la fin de sa vie, disait à Lamennais : « Qu'est-ce que vous voulez ?
Les idées que vous défendez me semblent justes, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Je reste fidèle à cette charogne. Et cette charogne, pour lui, c'était la monarchie. D'ailleurs, lorsque la branche aînée des Bourbons tombe, lorsque Louis-Philippe lui succède, que dit Chateaubriand ? Eh bien, quoi ? Ce n'était qu'une monarchie de plus de tomber. Il en tombera bien d'autres. Nous lui devions notre fidélité. Elle l'a. Pendant toute sa vie, Chateaubriand est davantage fidèle à l'image de la fidélité qu'à la fidélité elle-même. Des Bourbons, il dit, qui les connaît, qui les méprise et qui les hait davantage que moi. Ce qui est une étrange façon de rendre hommage au prince auquel il se veut fidèle. De Louis-Philippe, arrivé sur le trône, que dit-il? Il dit Philippe, parce qu'il ne l'appelle pas Louis-Philippe, il l'appelle avec plus de mépris, plus de dédain, Philippe. Philippe laisse l'Europe lui cracher au visage, il remercie, s'essuie et montre sa patente de roi. C'est un sergent de ville. Il y a un autre point, je crois, qui fait que Chateaubriand était fait justement pour être le portraitiste, le poète exactement de cette époque historique. C'est que l'époque est une époque déchirée, c'est l'époque de la Révolution et de l'Empire, coupée entre des camps irréconciliables qui évidemment se sont beaucoup battus, mais Chateaubriand est lui-même un homme divisé. Chateaubriand est un homme divisé, il l'a été toute sa vie, il a vécu dans les deux camps. Il a vécu en émigration, il est revenu dans la France de Napoléon, il a été un des piliers de la Restauration, ensuite, au régime politique. Mais surtout, c'est, je crois, dans ses tendances, dans son esprit qu'il a été constamment divisé. C'est un homme double. Sa carrière politique, et quand je dis double, je ne le suspecte pas de duplicité, mais je veux dire que c'est un homme divisé. Chateaubriand, en fait, d'un côté, est un fidèle de la monarchie, un fidèle qui l'est même avec ostentation, une ostentation qui est même gênante pour les régimes qu'il a défendus. Il est lié à l'ancien régime par sa naissance, par ses intérêts de caste, par ses souvenirs, par sa famille, par la religion aussi, bien entendu. Mais en fait, il est ce que j'appelle un transfuge de cœur. Le sens de la poésie, le sens de la grandeur, le pressentiment de l'avenir, en fait, et peut-être les vœux aussi sont de l'autre côté. Chateaubriand révélera ce qu'il est, la profondeur de sa pensée, à partir de 1830. C'est un homme qui était ambitieux, qui désirait tout, qui était aussi incapable de ne pas assouvir son ambition que de se perdre dans la jouissance des grands biens. Une fois qu'il avait obtenu quelque chose, ça n'intéressait plus. Il a voulu être académicien, il ne sait même pas faire se voir. Il faudrait regarder ça en détail. Il avait été ministre d'Affaires étrangères, il avait été ambassadeur, il avait été tout. Et bien, du moment qu'il l'avait traversé, qu'il avait prouvé aux autres et aussi à lui-même qu'il en était capable, ça n'intéressait plus. Alors, libéré, je dis bien libéré, en 1830, et vieux, il va dire ce qu'il avait, qu'est le fond de sa pensée. Rejoignant ce qu'il avait commencé à dire au début, quand il était émigré en 97, et il va décrire des choses comme celle-ci. Il écrit « Ce qui, dans l'Europe moderne, est impossible, ce n'est pas la République, c'est la monarchie. » Et c'est un des tout premiers, et je lui en suis bien reconnaissant, c'est un des tout premiers au XIXe siècle, en 1833, qui a posé le problème de la propriété, et qui, devant les émeutes qui se produisaient, les émeutes des canuts à Lyon, et peut-être aussi l'émeute du funérailles du général Lamarque à Paris le 5 et 6 juin, là où pour la première fois on a vu un drapeau sur une barricade avec la liberté ou la mort, et c'était pas une phrase parce qu'ils se visaient tués sur les barricades, les types qui étaient là. Ben Chateaubriand écrit en 1833, et vous croyez qu'une telle distribution de la propriété peut subsister, et vous pensez qu'elle ne justifie pas, il y a le mot, hein, qu'elle ne justifie pas les soulèvements populaires. Il y a un côté prophète d'aujourd'hui dans cet homme de l'ancien régime, dans ce vieux gentilhomme, monsieur de Chateaubriand. Et il y a, et cela est plus méritoire encore, un homme qui, malgré sa position, sa naissance, la caste à laquelle il appartenait, les fidélités auxquelles il s'est tenu, un homme qui a gardé les yeux ouverts sur les grandes vagues de fond social qui étaient en train de secouer le monde de son vivant et qui n'ont pas fini de le secouer aujourd'hui. Dans un texte très admirable de cette conclusion des Mémoires d'Outre-Tombe, on voit Chateaubriand s'écrier. Essayez de persuader aux pauvres, lorsqu'il saura bien lire et ne croira plus, lorsqu'il possédera la même instruction que vous,
essayer de lui persuader qu'il doit se soumettre à toutes les privations tandis que son voisin possède mille fois le superflu. Pour dernière ressource, il vous le faudra tuer. Chateaubriand a une extraordinaire ressource de désintérêt et de désintéressement. Désintérêt dans les deux sens du mot. Quand une chose ne l'intéresse plus, il s'en détache avec humour ou avec dédain, mais il n'insiste pas. Et puis dans sa vie personnelle, dans sa carrière, dans son destin, c'est un homme d'un incroyable désintéressement. Il y a aussi chez Chateaubriand une chose qui, aux esprits sérieux, aux esprits graves, peut apparaître rédhibitoire, c'est que même au fait du pouvoir et des responsabilités, il fera toujours passer son plaisir ou sa passion avant ses devoirs d'État, les devoirs de sa charge. Il a par exemple un conseil des ministres extrêmement important au fort de la guerre d'Espagne, il est amoureux en même temps de Cordelia de Castellane, et il lui écrit une lettre admirable et un peu folle, d'ailleurs allant quand même à ce conseil des ministres très important, mais écrivant à Cordelia de Castellane, « Ainsi, je perds cette nuit que je pourrais passer dans tes bras. Ah, je donnerais le monde pour une seule de tes caresses, que m'importe le monde sans toi. » C'est évidemment un langage qu'on peut juger un petit peu cavalier, un petit peu brûlant pour un grave ministre des Affaires étrangères, mais je me demande après tout s'il faut en vouloir à Chateaubriand et s'il ne manque pas précisément aux hommes d'État, aux hommes politiques, dont le cœur n'a jamais battu, qui n'ont jamais été amoureux, qui n'ont jamais connu la passion, quelque chose de très important précisément même dans l'exercice de leur métier. Après tout, je crois que Henri IV ou Louis XIV ont été de grands amants et que ni la politique ni la France n'en ont tellement pâti. Je pense qu'il s'est beaucoup servi des femmes, beaucoup plus qu'il ne les a aimées. Je pense en fait que Chateaubriand a été perdu pour l'amour vrai, dès le départ, parce qu'il a aimé quelqu'un qui n'existait pas, parce qu'il a commencé par aimer une sylphide, comme il disait, c'est-à-dire un personnage composé uniquement de ses rêves. Et d'abord, il n'aimait que les filles de 16 ans, mais c'est pas pratique pour la vie courante, parce que, enfin, des filles de 16 ans, ça ne dure jamais. Donc, si vous êtes condamné à n'aimer que des filles de 16 ans, vous n'aimerez jamais personne. Les femmes que vous aimerez, ce sera des compagnes plus ou moins permanentes. Ce sera peut-être des amis, je veux dire comme un homme a un ami. Mais ce ne sera pas des femmes qu'on aime comme un homme aime une femme. Ce sera des êtres qu'on utilisera pour la vie courante, ou pour les besoins du cœur, ou pour la littérature. Mais je ne crois pas qu'il ait vraiment aimé sa femme. Il le dit très bien qu'il ne l'a pas aimée. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup aimé ni Pauline de Beaumont, ni même Madame Récamier. Ce qui s'appelle aimer. Je crois qu'il a été très heureux qu'elle l'ait aimé. C'est pas la même chose. Louis-Martin Chauffier. Et ce qui est le plus frappant chez Chateaubriand, c'est que, et ce qui empêche toute vie spirituelle, c'est qu'il n'avait aucun sens du péché. Comme il n'avait aucun sens des réalités, le péché n'était pas plus réel que le reste. Et de même qu'il écrivait, il terminait le génie du christianisme à son retour d'exil chez Pauline de Beaumont, sa maîtresse, de même, il a continué à écrire des livres pécheurs, à vivre une vie pécheresse des plus développées, car Madame de Chateaubriand a été la femme la plus trompée d'Europe depuis son mariage jusqu'à sa mort. Elle est morte un an avant Chateaubriand à peu près. Et lui vivait cette double vie de chantre du christianisme et d'amant généreux dans une totale, non seulement inconscience, mais une totale innocence. Les deux choses ne faisaient pas corps l'une avec l'autre, et c'est pourquoi j'ai appelé mon livre Chateaubriand ou l'obsession de la pureté. Et la pureté, c'était pas du tout la pureté de l'action, c'était la pureté de l'âme et l'insouciance totale dans laquelle il était de pouvoir saisir les réalités, quelles qu'elles soient, que je voulais. Chateaubriand approche de 80 ans, il a derrière lui toute son œuvre. C'est un vieil homme perclus de rhumatisme attendant la mort qui va rejoindre tous les jours à pied pour passer quelques heures avec elle, Juliette Récamier aveugle. Et un jour, son directeur de conscience, son conseiller spirituel,
lui donne une sorte de pensum littéraire. Il lui demande d'écrire la vie d'un saint homme du XVIIe siècle, un contemporain de Saint-Simon, l'abbé de Rancé, qui après une vie de passions et d'orages, s'était retiré au couvent et mourut en donnant l'exemple d'une grande sainteté. Et le vieux Chateaubriand entreprend ce devoir historique comme une sorte de sainte corvée, de pieuse corvée. Et puis tout d'un coup, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, ce devoir de vieillesse, comme il y a des devoirs de vacances, devient un livre extraordinaire, un livre fou, un livre d'une liberté, d'une audace, d'une vivacité prodigieuse. À travers Rancé, c'est de Chateaubriand que parle Chateaubriand. À travers Madame de Montbazon, la femme qu'aima follement l'abbé de Rancé, c'est de ses amours mortes que Chateaubriand parle. À travers la méditation de Rancé sur la mort, c'est de sa mort prochaine que Chateaubriand parle. Et tout d'un coup, la période oratoire de Chateaubriand se brise. Ce livre est extraordinairement saccadé, plein de grandes étendues, de brouillard avec des éclaircies de soleil, plein de feu et de nuit. C'est un livre assez extraordinaire, c'est vraiment le génie en liberté. Et là, tout d'un coup, tout Chateaubriand se résume. Il y a les mémoires d'outre-tombe qu'il a derrière lui, où il a accompli toute sa vie. Mais là, ce post-scriptum à son œuvre, ce post-scriptum à sa vie devient une espèce de véritable testament. C'est un livre à la fois brûlant et désolé. C'est un livre plein de sensualité et plein de la passion, du frémissement de la mort. C'est un livre assez extraordinaire, incroyablement moderne. C'est un livre où nous voyons Chateaubriand, chevalier de cette cause perdue, la mort, la regagner, la reconquérir sur le plan de l'art, sur le plan de la poésie. Eh bien, en fait, dans notre sensibilité, un écrivain avec des mots est capable de produire les mêmes effets que Merlin dans la nature, toujours avec des mots. Et à quoi reconnaît-on qu'un écrivain est un écrivain? C'est que vous pouvez prendre, et c'est vrai pour Chateaubriand, et c'est vrai pour les peintres, quand vous découpez un petit carré, 5 cm carrés dans la toile d'un peintre, c'est toujours le même peintre. Renoir, c'est Renoir en 5 cm carrés. N'importe quelle phrase de Chateaubriand, prise au hasard, c'est Chateaubriand. Si bien que, au moment où lui intervient, ce que tout le monde sentait confusément devient clair et devient perceptible. Ça, c'est le miracle de Chateaubriand, c'est le miracle de tout grand écrivain. Lui, il le fait pour 2 ou 3 ou 4 thèmes qui sont toujours les mêmes. La mort, la jeunesse enfuie, la mélancolie, le pays natal, les amis perdus, le temps qui passe. Une des notes fondamentales de Chateaubriand, c'est l'accent de l'Ecclésiaste, l'accent de Job, l'accent de la Bible, un immense vanité des vanités. Le jeune Chateaubriand à Westminster se faisait enfermer une nuit parmi les tombeaux des rois d'Angleterre pour ressentir ce frisson de la mort qu'il a toujours recherché. À 65 ans, il revient dans cette Italie qu'il a tant aimée, il se retrouve à Vérone, où il est venu autrefois, au comble de la gloire et de la puissance, ministre, s'asseoir autour de la table du congrès de Vérone avec les empereurs, les monarques et les souverains de son temps. Et là, on entend tout d'un coup dans les mémoires d'outre-tombe cette note extraordinaire, ce vanité des vanités de Chateaubriand. Monarque, souverain, ministre, voici votre ambassadeur, voici votre collègue revenu à son poste. Où êtes-vous? Répondez. L'empereur Alexandre de Russie, mort. L'empereur d'Autriche, François II, mort. Louis XVIII, roi de France, mort. Monsieur Canning, ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, mort. Si tant de ministres et de souverains couchés avec moi sur les registres du Congrès se sont fait inscrire à l'obituaire, si tant de peuples et de dynasties royales ont péri, qu'est-ce donc les choses humaines? Personne ne se souvient plus des propos que nous tenions autour de la table du Congrès avec M. de Metternich, mais, ô puissance du génie, jamais un voyageur n'entendra chanter l'alouette au-dessus des champs de Vérone sans se rappeler Shakespeare.
Ça, c'est une des notes fondamentales. Le regret, la désolation, le grand lamento funèbre de Chateaubriand. Mais Chateaubriand est original en ceci que non seulement il est l'homme du regret, de la nostalgie, de la déploration du temps passé, mais qu'il annonce dans les Mémoires d'Outre-Tombe et dans la vie de Rancé, qu'il annonce Proust, qu'il annonce un ton nouveau, une note nouvelle de la sensibilité moderne. Je ne sais pas si Chateaubriand a jamais été heureux dans l'instant, si jeune soldat de l'armée des princes, voyageur aux Amériques, amant, ministre, poète, il n'a jamais eu la puissance de trouver la joie dans l'instant même, dans le moment présent. Mais il y a au moins un moment de la vie de Chateaubriand où, en lisant les Mémoires d'Outre-Tombe, nous nous rendons compte qu'il a été prodigieusement heureux. C'est lorsque, vieillard chimérique, courant vers cette aventure absurde de la duchesse de Berry, il retraverse l'Italie et l'Autriche, les décors de sa jeunesse. Et là, tout d'un coup, nous le voyons superposer, télescoper les périodes de sa vie, les souvenirs. Le temps, tout d'un coup, éclate sous la plume de Chateaubriand et dans son souvenir. Et il s'écrit « Nos ans et nos souvenirs sont étendus en couches régulières et parallèles, à différentes profondeurs de notre vie, déposées par les flots du temps qui passent successivement sur nous. » Eh bien, cette phrase, elle n'est pas de Proust, elle est de Chateaubriand 100 ans avant Proust, ou presque. Cette phrase admirable, c'est la clé du bonheur essentiel que nous donnent les Mémoires d'Outre-Tombe. Les Mémoires d'Outre-Tombe, ce ne sont pas les mémoires d'un homme racontant, dépliant à plat, si je puis dire, sa destinée, sa vie. C'est toujours une allée et venue, une espèce d'électricité qui se dégage d'un souvenir à l'autre. Il ne rencontre jamais l'océan sans se souvenir de toutes les traversées ou de toutes les promenades qu'il a fait au bord de l'océan. Il ne caresse jamais le sein d'une femme sans que soit présent en lui le souvenir de tous ses amours passés. Il ne rencontre jamais un paysage sans se souvenir d'y être passé jeune. C'est cela qui donne cette espèce de profondeur de chant. Et je voudrais jouer sur les mots parce qu'il y a aussi ce chant profond, la profondeur de ce chant, la polyphonie de Chateaubriand. C'est cela qu'il fait qu'il est un grand poète. Et il n'est pas un grand poète seulement comme le sont certains en tant que précurseur, ce n'est pas parce qu'il annonce Proust. Il y a déjà tout ce que nous aimons dans Proust, et puis il y a la voix unique de Chateaubriand, il y a cette déploration du temps passé, et il y a ce télescopage du temps, cette reconquête du temps perdu, qui est la musique essentielle des Mémoires d'Outre-Tombe. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de ma fosse, après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité. Je reposerai donc au bord de la mer que j'ai tant aimée. Si je décède hors de France, je souhaite que mon corps ne soit rapporté dans ma patrie qu'après 50 ans révolus d'une première inhumation. Qu'on sauve mes restes d'une sacrilège autopsie, qu'on s'épargne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère de mon être. La mort ne révèle point les secrets de la vie. Un cadavre courant la poste me fait horreur. Des os blanchis et légers se transportent facilement. Ils seront moins fatigués dans ce dernier voyage que quand je les traînais ça et là, chargés de mes ennuis.